Kiki Palmer, chanteuse R&B et actrice, qui je pense, bon là, dans un moment, elle s'est complètement perdue. Je pense que la frustration lui montait à la tête et lui a fait dire tout et n'importe quoi. Hein, donc si jamais tu ne te rappelles pas récemment ce qui s'est passé avec Kiki Palmer, elle était allée à un concert de Usher en sachant qu'elle était en couple avec un gars. Elle a d'ailleurs un enfant avec ce gars-là. Et elle était allée au concert de Usher, tout ça, avec assez dévêtie, on va pas se mentir. Et le gars avait pas trop apprécié. Bon, je te remets la petite vidéo, comme ça te remet dans le contexte. J'imagine bien que son gars précieux, il n'a pas aimé. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas trop aimé. Donc, il y a une petite coordonnée sur Twitter. Voilà, à un moment donné, le gars s'est senti respecté en public. Ta meuf qui a dans les bras d'un autre gars en train de « Oh là, j'ai trop chaud !» Les fesses à l'air. Je peux comprendre que voilà, il n'est pas aimé. Je sais que bon, il y a beaucoup de progressistes qui vont dire non, mais fais ce qu'il y a avec son corps, je sais pas ce que tu racontes. Donc bon, en tout cas, je comprends. Voilà. Donc il a juste dit, c'est t'es une mère, c'est quoi ces vêtements, ce style. Voilà. Et donc du coup, je sais qu'après ce soit une follow, voilà, je sais pas s'ils sont encore ensemble. Je crois qu'ils sont plus ensemble. Et donc du coup là, la frustration elle est montée. Et là. Elle a fait un couplet, voilà. Alors sachant que le gars s'est fait tomber dessus, hein. Je sais pas si t'avais vu la rejure que j'avais fait, le gars s'est fait tomber dessus. C'est là que je me suis dit, on vit dans un monde de non-sens. Donc là, après les gens, ils reprochaient au gars d'avoir dit ça sur Twitter. Incroyable, le gars se fait dérespecter en public, la meuf est dans les bras d'un tout. Ouais, mais c'est que de l'acting. Usher, il voulait pas vraiment la gérer. Mais c'est une question de respect, pas une question de sécurité ou pas. Mais bon, bref, de toute façon le monde c'est du n'importe quoi aujourd'hui. Enfin voilà. Ils veulent inverser mal, bien, bien, mal. Tout est du n'importe quoi. Mais vous ne nous aurez pas. Et donc, du coup, récemment, elle a fait un petit show où elle chantait. Et elle a fait une petite vidéo. Enfin, il y a quelqu'un qui a clippé la vidéo. Et c'est parti en viral. Donc, je te partage ça. Kiki Palmer. Kiki Palmer. Là, à ce niveau-là, il vaut mieux que tu la fermes. Non, mais à un moment donné. Après, ils vont dire que c'est notre faute si jamais, genre, si jamais les femmes, elles sont mères célibataires. Après, ils vont dire c'est. Parce qu'il y a un gars là qui a mis docteur. Comment il s'appelle encore? Docteur Yumar, je crois qu'il s'appelle. J'oublie son nom là. Gail a dit que c'était de la faute de nous. C'est nous si jamais elles sont seules. Elles ont dit qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Alors, au cas où, si jamais la traduction s'est pas faite, je vais la faire avec toi. En direct, ok? Parce que je sais pas si tu as pu avoir les sous-titres ou pas. Alors, my booties matter, une histoire de fesses, je sais pas. Ok, mon fils m'a donné, mon fils m'a permis d'avoir de plus de fesses, plus de gab, quoi. Ok? Super, d'ailleurs, c'est super classe, ça. Continue comme ça, Kiki Palmer, on est bon. Oh, oh, ça y en est. Je suis mon propre boss. Et j'ai mon propre cash. Voilà. J'ai pas besoin d'homme. J'ai mon propre cash. J'ai besoin de cash. Bon, les gars. Tous ces discours de non-sens. Kiki, bien sûr que tu as besoin des hommes. Faut arrêter ça maintenant. Hein, si les hommes disparaissent là du monde là aujourd'hui, c'est même pas le monde n'évolue plus. C'est il part en sucette.
Ok, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, il n'y a plus de construction, tout se casse ta figure, il n'y a plus de rien du tout. Faut arrêter cette histoire, oui, y a pas besoin de... on n'a pas besoin des hommes. Faut arrêter ça, ce non-sens embrasé par tout le monde, en plus par tous les féministes. On n'a pas besoin, on est pareil, on n'a pas besoin des hommes. Incroyable. Donc évidemment, c'est la frustration hein, qui parle hein, de la bouche de Kiki, hein, parce qu'il y a 2 semaines, elle kiffait son gars et ça déchirait. Hein. Maintenant, c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les meufs. Hein. Faut pas les écouter parce que si tu les écoutes, si tu te dis, mais je pensais que t'avais dit non, c'est de l'émotionnel là, c'est de l'émotion là. Et après, par contre, ils vont dire, ouais, comment ça se fait que les hommes, comment ça se fait que les femmes, elles sont mères célibataires, elles sont toutes seules, les gars, c'est eux, c'est des salauds, ils partent, nanani, nanana. Bah, le gars, il vient, il est parti, le gars, t'es dans les bras d'un autre gars, les fesses à l'air. Bah, à un moment donné, le gars, la seule chose qu'un homme il veut, c'est être respecté. Si tu peux même pas faire ça, voilà, elle dit, attends, mais si je peux même pas montrer mes fesses, laisse tomber, je veux pas d'un homme comme ça. Moi, je veux d'un homme qui accepte tout. Et tu te retrouves avec une meuf, j'ai fait une review là-dessus, une petite vidéo, où une meuf qui disait, ouais, je comprends pas, j'aimerais bien trouver un gars qui est très masculin, mais qui en même temps me laisse faire tout ce que je veux. Et ben non, ça n'existe pas, ça. C'est pas possible, en fait. C'est ou ton homme est traditionnel, ou tu veux... T'es une femme moderne, mais tu veux un homme traditionnel. C'est pas possible. Parce que l'homme traditionnel, il va toujours être plus exigeant, il va vouloir une femme traditionnelle, simplement. Voilà, donc restez entre vous, walk culture, restez entre vous, et après, faut pas te plaindre. Donc bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon titre de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer la NAC, regarde quand même. Hein. Tu as aussi mon groupe des 10%, Zion. Ok, tu cliques, tu as toutes les infos. Autre chose aussi qui est gratuit, c'est la possibilité de savoir exactement quelle idée business sera adaptée à toi. Tu as juste à cliquer dans la description, tu verras, tu rempliras un formulaire, ton expérience, tes qualités, etc. Et après, on va t'envoyer un email qui te donnera exactement plusieurs options qui seront adaptées à toi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je suis avec ton camp.